Nous sommes champions pour la deuxième année consécutive, salués comme il se doit dans les gradins par les nombreux supporters de l'équipe de la Fire Brigade. Et c'était bien le jour des cadeaux cet après-midi au stade Saneru Jagnat. Le premier en deuxième mi-temps, on joue la 56e minute. Clark laisse le champ libre à Tony François qui marque le premier but. Cinq minutes plus tard, Castel en offre un second. En accrochant Tony François en plein carré de réparation, il voit rouge, il est expulsé. Danraj Riga va le remplacer dans les bois de Maurice Espoir après la sortie de Haïlé Apadou. Le pénalty est exécuté par Tony François, un peu chanceux, mais c'était bien le jour de l'équipe de la Fire Brigade et aussi de Tony François. Un peu d'espoir du côté de Maurice Espoir avec un but signé Jim Brabant qui marque de la tête ici. À 2-1, tout était encore possible. Mais lors de la dernière seconde de ce match, voyez, on joue le ballon de la main dans la surface de vérité. Cela ne pardonne pas, certainement pas, Tony François qui réalise son triplé et offre le titre à l'équipe de la Fire.